Get up. Get up. Don't think so, Bigby. Oh putain. Bon bah au moins il va aller rejoindre sa copine. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Really fucking up for the fight. He's gonna have don't worry. Good. Old foundry by the river. All right. Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. Je connais pas ce jeu. Je connais pas c'est quoi, c'est un jeu de plateforme, c'est un jeu comme le Pac-Man originel. No more games, all right. We both know how this ends. En fait, y a que moi qui s'est choqué la mort de la meuf. I know what I did. On va l'épargner, ça vaut rien. Ça sert à rien de laisser mourir. Et comme ça, moi, les deux, ils se retrouveront. J'adore les images derrière. Mais il tue plein de persos, Bigby, en fait. Bah là, c'est pas comme si j'avais le choix. C'était soit je le laissais crever, ou soit j'abrisais ses souffrances. Et c'est la fin de la saison, il passe un peu ses nerfs, il a les nerfs contre tout le monde. C'est un bad boy. Il tue pas tant de persos que ça en fait. Parce que tout à l'heure, les deux frères que tu as pu voir au début, à la fin de l'épisode 3, j'avais le choix entre les épargner ou le tuer, et j'en ai épargné un. Non, lui, c'est comme Dexter, il tue que ceux qu'il mérite. Allez, rentre. Il tue plein de gens, j'ai tué qu'une seule personne pour le moment dans cet épisode. Le bras arraché, de quoi il parle? Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles, le bras arraché. Il m'a provoqué, il l'a trouvé. Ouais, Dexter est cool, je suis en train de lire le dernier livre est cool aussi. J'ai vu toute la série et j'ai vu tous les livres et que c'était le dernier, mais le dernier, je vais très certainement l'avoir terminé demain, il me reste 40 pages, je crois. 40 pages, ça devrait se lire en 2 heures. Pendant mon trajet. Ouais, je lis les bouquins, ils sont relativement cool. Ouais, j'aime beaucoup les bouquins. J'aime beaucoup. Bah, le seul truc dommage sur la série, c'est la fin. C'est la fin. Après, qu'est-ce que je veux dire? Une saison qui m'a pas vraiment trop marqué, c'est la saison... La saison où il est avec son pote, là, je sais plus laquelle c'est. Une saison où il se trouve un pote. J'avais regardé cette saison. J'avais fait nuit blanche pour regarder cette saison et.
je l'ai pas trouvé hyper mémorable. Bah, je sais plus laquelle est la 3, mais si la 3 c'est celle que je pense, ouais, c'est ça. La 6, je sais plus laquelle c'est, la 6. La 6, c'est laquelle? La 6, c'est pas avec Lumen? Je sais même plus. Ouais, c'est ça, le pote cubain, ça c'est la 3. Mais la 6, c'est laquelle du coup? Ah oui! Les cavaliers de l'Apocalypse, là, celle-là. Lumen, c'est la 5. Ah merde! J'ai raté la QTE. Bah, c'est à partir de la saison 6 que j'ai commencé à regarder en VO. C'est à partir de cette saison-là que j'ai commencé à regarder les séries en VO. C'était ma toute première série que je regardais en VO. Et même, je crois, le premier film, tout ça. Parce que j'en avais un peu marre d'attendre après Canal+. Bon, je parle de Canal parce qu'on va pas parler de TF1. TF1 qu'on est qu'à la saison 2 ou 3 là seulement. TF1 qui a toujours un train de retard. Enfin là c'est même plus un train. Enfin je dis qu'ils sont à la saison 3, je sais pas, mais je sais qu'ils avancent relativement doucement TF1. Ils ont vraiment beaucoup de retard. Ouille. Bah c'est depuis cette saison 6 que j'ai commencé à regarder toutes les séries en VO. Ah putain, mais ça va trop vite les QTE là. Oui, bah notamment comment ça s'appelle? Notamment The Walking Dead est diffusé ce soir par exemple par ECS, alors que l'original était diffusé hier soir aux États-Unis. Ça c'est pas trop mal. Même si perso je l'ai vu pendant midi l'épisode. Est-ce que tu regardes toi The Walking Dead? Non, non, diffusé ce matin à 11h ou à 10h sur zone téléchargement. Parce que je l'ai eu à cette heure-là, à 11h ou à midi sur zone téléchargement. De manière, si tu l'as pas regardé, tu pourras le regarder après. Ça reste. Je vais juste cet épisode et après, je déconnecte. Et si ça fait comme les épisodes d'hier, ça va durer 1h30, 2h. Par contre, t'as les sacrément amochés là. Bah au niveau des comics j'ai juste lu le premier pour le moment. C'est quoi ce délire? J'ai juste lu le premier parce qu'à 12 € le comic ça fait cher quand même. Surtout qu'il y en a une quinzaine ou une vingtaine. Comment elle fait pour se dédoubler? Il prend cher le loup là.
Mais bon, je présume que tu les as pas achetés, toi, les comics, t'as dû les télécharger, non? Comment il prend trop cher? Ouais, c'est ce que c'est bien ce que je pensais. Oh putain! Il est vraiment en mode vénère, je l'avais jamais vu comme ça jusqu'à présent. Ah ok. Mais à l'occasion en plus des Walking Dead, j'aimerais bien lire ces comics-là, là, les fables. Parce que ce jeu est tiré des comics qui s'appellent fables. J'aimerais bien au moins lire un pour voir ce que ça donne. Par contre, c'est pas des comics, mais les BD, j'ai lu quasiment toutes les BD Assassin's Creed, mis à part les deux ou trois dernières. Je crois que j'ai pas lu, je crois qu'il y a que les deux dernières que j'ai pas lu. Mais d'ailleurs, le comic diffère bien de la saison, parce que la fin du premier épisode correspond à la fin de la saison 2 télévisée. Ouais, elle est où l'original? Elle est là. Elle fuit, elle a trop peur. Descends donc. Allez, Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Et bing! Plus de Bloody Mary. Non, c'est pas... C'était encore un faux. Bah, c'est un peu pareil pour Dexter. Ce qui se passe dans la saison... Je sais plus dans quelle saison ça se passe relativement tard. Ça se passe relativement tard dans la série télévisée, dans Dexter, et dans le livre, du coup, ça se passe à la fin du premier livre. Et merci. Et Bloody Mary, je suis pas sûr, oui, il me semble que c'est un cocktail, mais je suis pas sûr. Un silver bullet. Une balle en argent, ok. Je sais pas, mais c'est surtout genre dans les films d'horreur, si tu lis plusieurs fois Bloody Mary, elle apparaît et tout. Salut, Sek, tu vas bien? Ça va, moi, et toi? Je savais pas que tu faisais du judo. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. And I'm sure Mr. White would agree that I should be given a fair trial. Can we at least agree on that? I will have a trial. The whole town will be calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me worry about that? Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance Bullshit. To explain my side of the story. Bullshit. I already talked to Georgie. I know you ordered their deaths. Mr. Porgy is mistaken, I assure you. I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer. Qu'est-ce que tu appelles tard, 21h45? Tu m'étonnes, c'est blasant. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Sec, mais il y a la cam maintenant, coucou. You're often reckless.